Je vois pas la nature comme un buffet où on peut s'approvisionner ad vitam aeternam. La lutte, elle peut être magnifique, hein? Puis je sais que s'ils vont dans la forêt, ils vont vouloir la protéger. Puis ça, c'est mon cheval de bataille. Gabrielle, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Donc, Gabrielle, tu es une Montréalaise d'origine. Tu vis au Kamouraska depuis 2012. Tu es écrivaine, illustratrice. Tu as écrit « Encabané » et « Sauvagine » qui sont publiés chez XYZ. Et là, tu prépares le troisième d'une trilogie qui s'appelle « Bivouac ». C'est une trilogie d'autofiction ou autofictive qui se passe au Kamouraska. Et tu plantes aussi des arbres au printemps pour gagner ta vie. Oui. Dis-moi, pour commencer, comment t'en es venue à la question écologique? Est-ce que tu te rappelles du jour 1 de ton souci pour cette question-là? Oui, je m'en rappelle très clairement. En fait, on était dans l'Okanagan. En fait, moi, pendant mes études universitaires, j'allais chaque été cueillir des cerises, des pommes, des raisins. C'est un peu comme ça que je payais mon appartement tout le reste de l'année. Puis, on était dans des vergers conventionnels. Puis, j'étais pas sensible à cette époque-là à l'agriculture biologique. En fait, je savais même pas vraiment que ça existait. Puis, bon, on cueillait des cerises. Puis, un matin, on se lève, on commence à travailler. Puis, on se met tous en même temps à avoir un gros mal de tête, des nausées. Même, on entend des gens qui vomissent. Puis, on a su par après, là, parce que là, il y a quelqu'un qui a crié « Sortez du champ ». Il avait arrosé la veille, puis il n'avait pas attendu, je ne sais pas si c'était 10 heures ou 24 heures, mais le temps que ça s'évapore puis que ça soit correct pour les travailleurs. Les pesticides. Oui, puis bon, on avait tous des problèmes aussi de peau, là, à force de travailler là-dedans dans le feuillage. Puis moi, je me rappelle, là, mon objectif, on était payé à la quantité, on était payé au poids de cerises cueillies. Alors, j'observais ceux que ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient là. Puis bon, eux, une des techniques qu'ils avaient, c'était de se coincer la branche sous le bras pour pouvoir avoir les mains libres pour cueillir les cerises. Alors, je me suis mis à les imiter. Puis je me suis retrouvée avec vraiment là, des plaies là, aux aisselles. Puis je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Là? Alors, c'était vraiment comme une réaction physique aux pesticides là, qui m'a rentré dedans, là, qui m'a sensibilisée à ça. Puis j'ai continué à travailler là malgré tout. Puis on campait même le soir. Là, alors on habitait dans les produits chimiques là, pendant plusieurs mois par année. Mm-hmm. Ça, c'était vraiment mon éveil. Là. Aujourd'hui, Gabrielle, tu vis dans le bois. On est tous soumis à des phénomènes nouveaux. La question de l'urgence climatique, des changements climatiques, s'exprime de façon différente un peu partout sur Terre. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond en ce moment dans l'écosystème? Plusieurs choses. Le fait d'habiter en forêt, là, on a vraiment les yeux sur le territoire, on est en vigie, on est les premiers témoins quand il se passe quelque chose, même une tempête, là, on la vit de plein fouet. Là. Puis on est isolé aussi. Là. Moi, quand j'ai acheté ma forêt, j'avais une idée de fuir la pollution aussi. Là. Puis quand je suis arrivée à Saint-Bruno-de-Kamouraska, bon, je tombe sur ce terrain-là qui est une forêt d'épinettes un peu à perte de vue, sans voisins, avec la rivière Kamouraska qui coule puis qui me semble saine. Je dis que la chance inouïe de pouvoir vivre sur le territoire dans un espace qui est encore vivant. Puis foisonnant de faune, d'espèces rares. Puis dans les dernières années, ce que j'ai observé, ça m'attriste énormément parce que je suis très attachée à ce lieu-là, mais je sens qu'il est de moins en moins en équilibre. T'sais, je vois la rivière où je me baignais, puis j'avais peur que le courant m'emporte. Là, j'avais de l'eau jusqu'aux épaules, mais aujourd'hui, je veux dire, cet été puis les étés précédents, on a connu 3 sécheresses au Bas-Saint-Laurent. Les agriculteurs peuvent en parler, là, à quel point la disponibilité des foins, tout ça, ça a été un enjeu majeur. Là. Moi, le niveau de la rivière a baissé à un point tel qu'il n'y a plus de poissons, puis ma chienne qui a peur de l'eau, elle peut traverser de bord en bord à plusieurs endroits. Alors, je me demande comment ils font les poissons pour circuler, puis il y a quelque chose de grave qui va s'en suivre. Là. C'est pas, c'était vraiment le cœur de mon écosystème, moi, cette rivière-là. Puis les sécheresses, bon, on a eu des feux de forêt. Hein. À Saint-Bruno, on a eu un feu majeur il y a 2 ans, là, puis
On le sentait dans l'air, là. Fait que la menace, ça vient de plusieurs fronts, je dirais. Genre... Ça s'exprime de toutes sortes de façons. Oui. Les sécheresses, les feux. Les vents violents, les coupes à blanc qui nous entourent, là, ça nous expose au vent. Alors, il y a beaucoup d'arbres qui tombent. Dis-moi, c'est quoi ton geste? Parce que c'est un geste quand même assez radical d'une personne qui grandit dans une grande ville, Montréal, puis qui décide d'aller s'installer dans le fin fond de la forêt, on va le dire comme ça. C'est... Qu'est-ce qu'il y avait dans ce geste-là? C'est drôle, hein? Ça revient souvent, là, la question de radical, la marge, mais pour moi, c'était bien plus difficile de vivre en ville que de vivre en plein milieu du bois, sans eau, sans électricité, là. Parce que... pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'être en équilibre puis en harmonie avec son habitat. Là. C'est là que moi, je trouve mon équilibre puis ma santé mentale. En ville, j'y arrivais pas du tout. Là. J'étais entourée de béton puis de matériaux gris puis de... Je sais pas pourquoi, en fait, parce que je viens d'une famille qui est urbaine puis j'ai eu accès à plein de belles choses. Là. J'ai profité de la ville, mais... Ça a été comme un refus total là, de poursuivre dans cette avenue-là. Là. Il fallait que je fasse ma propre histoire. Puis c'était comme indissociable de la vie animale puis de la vie végétale. Là. J'avais besoin de m'entourer de beauté puis du vivant aussi. Ça change tout, ça l'ébranle tout. C'est l'arrivée de grandes tempêtes qui ont le pouvoir de nous rassembler, en fait. On peut très bien rester campé sur le territoire puis être un peu en réaction, mais je pense que le plus important face à cette crise-là, c'est la mobilisation, c'est se rassembler, c'est les comités de vigie, de surveillance des grandes entreprises polluantes. J'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Autour de toi, autour de nous, il y a ce qu'on appelle la crise climatique. Dans ta perspective, qui est-ce qui est responsable de l'état de la planète aujourd'hui? Assez complexe comme question, hein? Mais moi, j'ai tendance à pointer du doigt les pétrolières, mais c'est bien plus large. C'est toute une conception de nos ressources naturelles. J'aime employer l'expression comme un buffet « all you can eat ». Moi, je vois pas la nature comme un buffet où on peut s'approvisionner ad vitam aeternam. Faut qu'on revienne à un équilibre. Puis, les responsables... Bon, moi, j'aime beaucoup la phrase aussi « il y a péril en la demeure ». Je pense que tous ceux qui ne font rien en ce moment aussi sont responsables. Puis, je veux pas non plus que les citoyens se sentent comme pétrifiés de culpabilité, là. Mais on a toute notre part à jouer, petite ou grande. Puis, c'est facile de dire, ah, ben les entreprises polluantes devraient faire la majeure partie du travail ou les gouvernements. Oui, mais on peut tous être un exemple aussi, là. Quand je suis arrivée, dans le Bas-Saint-Laurent, j'avais pas cette idée-là en tête de devenir un exemple de militantisme ou de vie en harmonie avec la nature. Là. J'avais pas cette prétention-là du tout. Là. Mais ça s'est fait tout seul. J'accueille des gens chaque année qui viennent grimper aux parois à Saint-André-de-Kamouraska. Puis ils font des feux de camp chez moi. Puis là, ils sont émerveillés par la beauté sauvage de ce qui nous entoure. Puis moi, c'est comme ça là, que je fais mon petit bonhomme de chemin pour l'environnement. C'est en ouvrant ma maison à des gens qui viennent souvent des villes puis qui se sentent complètement perdus là, puis qui ont besoin de s'évader puis de s'inspirer. Puis je les fais travailler dans mon jardin puis en échange qu'ils puissent camper sur le terrain. Bien, au fil des ans, là, il y a des centaines de personnes comme ça qui sont passées chez moi là, à m'aider. Puis je suis certaine qu'ils sont repartis avec un petit quelque chose, là, au moins une étincelle de conscience en écologique. Qu'est-ce qui, sur notre territoire, ici dans le Bas-Saint-Laurent, te donne espoir que, je vais employer une formule connue, un autre monde est possible, mais qu'est-ce que chez les gens, chez les communautés, te donne espoir que c'est possible?
Bien, je vois plein de jeunes familles qui s'installent et qui ont des projets écologiques, des jardins bio, des entreprises de reboisement, vraiment tout azimut. Là, il y a une conscience, là, même dans chaque entreprise, il y a un volet environnemental. Là, j'observe quelque chose qui est vraiment inspirant. Puis, c'est une communauté aussi. On dirait que c'est la crise climatique, là, autant que ça peut être anxiogène et tout, mais nous, ça nous rassemble. On se rend compte que notre attachement au territoire, c'est dans nos valeurs fondamentales de Québécois, là. Puis je pense que ça me donne vraiment espoir, là. Qu'est-ce que tu attends des parlements puis de l'Assemblée nationale du Québec? Au provincial, j'en ai beaucoup des demandes, là, mais c'est certain que j'aimerais qu'on fasse une enquête publique sur l'exploitation de la forêt, là. Comment on voit la forêt, puis comment on la verrait à long terme, parce que si on continue comme ça, il n'y en aura plus bientôt. Là, Je veux dire, puis quand je dis le mot forêt, là, je ne parle pas d'une plantation d'épinettes de 30 ans. Là. C'est une forme d'agriculture. Là. Je pense qu'il faut revoir qu'est-ce qu'on plante aussi comme arbre. C'est pas normal qu'on plante 90 % des épinettes en rangée. Là. C'est pas viable. Là. Puis pour la faune, hein, on le voit, là, quand on arrive dans une plantation comme ça, c'est le silence total. Il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'abeilles. Comment les abeilles font pour butiner quand il y a juste une variété d'arbres? Il y a une abondance de nourriture à un moment clé dans la saison, puis après ça, plus rien. Alors, j'aimerais qu'on revoie complètement le modèle d'exploitation de la forêt. Je sais que c'est ambitieux, mais on est à l'époque des grandes ambitions. On n'a pas le choix. Il y a une crise climatique. Puis on est un pays de forêt. On sait que les arbres sont une clé importante dans la crise climatique. Si on plantait plus d'arbres, on se donnerait un sacré coup de main. Oui, puis je pense aussi qu'il y a une refonte des responsabilités qui doit être faite aussi, parce que c'est un non-sens que la protection de la faune revienne à la même instance qui s'occupe de l'exploitation forestière. Tu ne peux pas protéger la faune et récolter le bois. Au moins, il ne faut pas que ça soit dans le même ministère. Moi, j'aimerais beaucoup que le ministère de l'Environnement soit celui qui chapeaute la protection de la faune. Comment tu t'expliques, Gabrielle, parce que tu cherches à te l'expliquer forcément, puisque tu es écrivaine, qu'une personne devant toi ressente pas ces choses-là par rapport aux vivants autour. Comment est-ce qu'on résout ça? Je pense qu'il faut aller en nature. Je pense qu'il faut retourner vers nos racines. C'est dans notre ADN. On est dans un pays de grands espaces sauvages. C'est pas pour rien qu'on s'est installé ici puis qu'on l'a habité, ce territoire-là, c'est parce qu'il était magnifique. Il y avait des chênes anciens dans la vallée du Saint-Laurent, des arbres anciens, des forêts, une abondance de gibier. Tu sais, la certitude qu'on pourrait survivre ici avec tout ce qui est autour. Je pense que tout passe par un éveil à ce qui est beau autour de nous, hein, de voir la beauté dans la nature. Je pense que ça peut... Certains te diraient probablement que toute cette beauté-là, ces chaînes-là dont tu parles, ils ont été monnayés, puis font qu'on est riche aujourd'hui. Moi, la vraie richesse, c'est de savoir qu'il reste un arbre ancien, cropin. Puis je vais le voir, puis je vais le protéger, cet arbre-là. Parce que dans toute la forêt du Haut-Pays, il en reste juste un pin blanc. Puis... avec tout ce qu'on sait sur les arbres, puis les réseaux racinaires, puis l'intelligence des forêts, c'est important d'avoir des aînés. C'est très important pour la résilience d'un écosystème. Puis c'est pareil en société. Je pense que notre rapport aux aînés aussi, là, ça parle beaucoup. Hein. On les place dans des maisons, puis on ne va plus les voir, puis on continue notre vie comme si de rien n'était. Ben moi, mon aîné, c'est Gros-Pain, puis il a 450 ans, puis c'est un très bon ami à moi. Puis je vais tout faire pour pas qu'il tombe, celui-là, parce qu'il nous en reste plus beaucoup. Ça change la façon dont on voit la forêt, les ressources, l'eau, la qualité de l'air. On
on est vraiment dans un modèle qui est à repenser au complet. On peut pas piller la nature puis penser qu'elle va se renouveler comme par magie. Là, je pense qu'on a un devoir citoyen de protéger les espaces encore sauvages. Quand je t'ai parlé de changement climatique, tu m'as parlé des animaux. Parle-moi d'eux, avec qui tu partages ton territoire. J'aime beaucoup me mettre dans la peau des animaux. Puis, par exemple, les oies sauvages, quand elles traversent les kilomètres, là, de kilomètres du territoire pendant leur grande migration, qu'est-ce qu'elles voient? C'est quoi leur repère? Puis, moi, je sais qu'il y a des coupes à blanc à perte de vue. T'sais. Je me demande, quand elles survolent ces espaces-là, c'est quoi leur sentiment? Quand elles arrivent à des endroits où elles avaient l'habitude de s'abreuver, puis qu'il n'y a plus d'eau, puis elles sont aussi déroutées par la pollution lumineuse, par les grands bassins de décantation des sables bitumineux, puis qu'elles vont se poser là-dedans, puis qu'elles meurent. Moi, je ressens la souffrance des bêtes qui m'entourent. C'est ça, j'aime m'imaginer être dans leur peau pour mieux comprendre aussi, parce que je pense qu'il y a une grande raison pourquoi on est si insensible à ce qui se passe dans la nature. C'est parce qu'on n'habite pas sur le territoire, on la voit pas, la souffrance, on la ressent pas, on est déconnecté, mais à quelque part, c'est un mécanisme de survie. Mais dès qu'on passe beaucoup de temps en forêt, là, c'est plus fort que nous, là. On ressent qu'est-ce que les arbres, qu'est-ce que les animaux vivent. Puis moi, ça m'habite au quotidien. Hein. Tu parles beaucoup mais t'as parlé de déconnexion. Est-ce que tu es capable de me parler des moments où tu reconnectes? Dans quel moment tu as l'impression d'être branché sur ce qui nous manque? Oui, bien, c'est souvent en regardant la rivière que je me sens reconnectée avec la nature, même si je sens qu'elle est moins saine qu'avant. Elle est dans un état de sécheresse puis de souffrance, mais c'est quand j'arrive à ralentir ma vie puis à prendre un temps où j'ai pas de pensée puis je m'assois par terre dans la neige ou dans la boue puis... Je fais juste observer la nature, puis être dans un silence total. Puis c'est là qu'on commence à aller voir les animaux, là. Parce que sinon, ils ne nous approchent pas, là. Mais si on passe des heures assis dans la forêt, hein, on fait partie du décor, puis là, on devient un témoin privilégié de ces belles rencontres-là. Hein. J'entends des voix ordinaires dire « c'est de la poésie, tout ça, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais à quoi ça sert? » De quoi tu parles quand tu parles de cette reconnexion-là? À quoi ça sert? Je pense qu'on serait tous des meilleurs humains si on passait plus de temps en nature. On serait plus sensibles, on serait plus bienveillants, on serait plus solidaires aussi. Parce que c'est ça qui se passe dans la nature. Il y a une grande orchestration de solidarité face aux éléments, face à une pénurie de nourriture. Il y a des animaux comme des ours et des loups qui s'aident pour chasser. On s'imagine pas que c'est possible. Mais moi, j'y crois parce que je le vois. Je vois que les animaux s'entraident. Puis je trouve que c'est un modèle de société en soi, là, de voir l'équilibre, l'harmonie puis la pérennité de la forêt. Si on la laisse tranquille, là, elle s'autorégule. On n'a pas besoin d'aller abattre des loups pour protéger des caribous. Il faut juste protéger l'espace vital. Il faut qu'il soit suffisamment grand. Puis tout va s'équilibrer. C'est pas une pensée magique, c'est avoir confiance en ces forces-là qui sont en œuvre. Est-ce que tu penses que les femmes peuvent quelque chose dans la situation, quelque chose de spécifique aux femmes dans la situation climatique actuelle? Je pense que les femmes ont un grand rôle à jouer, puis c'est une belle époque pour nous. Autant qu'on s'émancipe beaucoup. Je pense qu'on a un rôle privilégié. On porte la vie, hein? C'est dans notre essence,
de protéger la nature, de protéger la vie sur Terre, de protéger les plus vulnérables. Puis en ce moment, bien, les plus vulnérables, je pense que c'est les animaux, c'est les plantes, c'est aussi les populations là, qui vont vivre des grandes migrations difficiles. Il faut les accueillir, il faut les aimer, il faut les aider. Moi, j'ai un peu un fantasme un jour de m'enchaîner à un arbre. Mais je me dis, les femmes peuvent être une arme aussi. Une arme, bon, c'est une métaphore, là, mais je suis très non-violente dans la vie. Là. Mais je pense que quand on met les femmes au front, hein, en avant-plan d'une confrontation, souvent on peut s'éviter beaucoup de violence. On inspire par notre vulnérabilité quelque chose dans la lutte qui revient au sensible, hein, qui revient à tout ce qui est fragile en nous, puis qu'on choisit, malgré cette fragilité-là, de se mettre en danger. Mm-hmm. Ça, je trouve ça très beau. Sens-tu qu'on est fragile? Moi, je me sens fragile. Je me sens très fragile. Je sens que plus ça va... En fait, j'ai peur de perdre mon optimisme. Parce que je suis une femme profondément optimiste. Je me réveille le matin. Je sais pas pourquoi ça me... Je me réveille le matin. Puis j'ai une joie intérieure tellement grande. Mais j'ai peur pour la nature. J'entends les CHN tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est... Je vois les arbres tomber. Je vois les... C'est peut-être beau, hein? Avant, je voyais pas le coucher de soleil de Kamouraska, nos plus beaux couchers de soleil. Puis maintenant, à cause des coupes à blanc qu'ils ont fait, je vois les couleurs entre les arbres. Je devrais m'émerveiller, mais il y a une partie de moi là, qui ne comprend pas pourquoi on fait rien. Pourquoi on fait rien? Pourquoi est-ce qu'il faut se battre pour que ça soit une priorité? Il me semble que c'est une évidence. Il me semble que la science est là. Il me semble que ça fait 30 ans, 40 ans qu'on en entend parler. Je veux dire, il y a tellement de modèles qui existent. Pourquoi est-ce qu'il faut se battre juste pour qu'on puisse en parler? On n'a même pas de plan pour la lutte au changement climatique au Québec. Pourquoi est-ce qu'il faut que moi, je porte ce fardeau-là sur le plan individuel, tu sais? Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'inscrire dans un mouvement qui est mené avec courage par mon gouvernement? On dirait que ça me coupe encore plus du monde, hein? J'ai peut-être un syndrome de l'ermite un peu, là. J'ai tendance à bouder puis à fuir, là. Qu'est-ce qui me dérange? Mais j'aimerais beaucoup ça, me joindre à un grand mouvement citoyen, pas juste citoyen, juste un grand mouvement social. Pour moi, la littérature, la poésie, le dessin, c'est un vecteur. Je m'en sers pour éveiller les consciences. Ça serait très facile de juste écrire une fiction totale, mais pour moi, chacun de mes romans est campé dans un acte de résistance. Tu écris... dans la vie, tu dessines aussi. Est-ce que c'est une manière pour toi de contribuer ou de métaboliser tes colères? Oui, écrire, dessiner, ça me permet de canaliser beaucoup de choses, là. Ça donne un sens à ma vie, en fait, parce que je pourrais très bien me satisfaire d'être moi-même en harmonie avec mon environnement. Ça pourrait être suffisant, mais j'ai toujours écrit. J'ai toujours dessiné. Je le faisais pour moi. Mais à un certain moment donné, puis c'est en m'impliquant beaucoup avec Culpa chez nous et d'autres groupes anti-pipeline, que j'ai compris que c'était important qu'on soit chacun dans nos forces, hein, puis qu'on pousse dans ces directions-là. Puis je me suis dit, si je réussis à faire publier un de mes romans, puis peut-être deux, puis que dans ces romans-là, il y a, oui, la beauté du territoire, oui, du féminisme...
Mais il y a quelque chose de plus important encore. Ça me donne une tribune. Ça me donne une tribune pour parler de nature. Si j'avais pas publié de livre, là, je me retrouverais pas à donner plein d'entrevues, puis à aller dans des écoles. Puis ce qui revient tout le temps, là, c'est cet amour-là de la forêt, finalement. Puis je suis certaine que tout le monde en bénéficierait, là, de ce contact-là privilégié avec la nature. Alors, je veux convaincre les gens d'y aller. Puis je sais que s'ils vont dans la forêt, ils vont vouloir la protéger. Puis ça, c'est mon cheval de bataille. Il faut aller sur le territoire, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Puis il faut vivre des moments de silence puis de déconnexion pour pouvoir être sensible à ça. Sinon, on peut faire comme si rien se passait. C'est beaucoup plus facile. Mais c'est se couper de notre nature aussi. Hein. Qu'est-ce que l'art peut dans cette situation-là? Qu'est-ce que les artistes peuvent? Ça, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé, hein, du métier d'écrivaine, parce que, bon, oui, je le faisais par militantisme, là, le désir de parler de ma petite vie à moi. Mais je pense qu'on est capable d'allumer des chandelles un peu partout. Hein. On est capable de sensibiliser les gens. C'est vraiment une question de sensibilité. Je pense qu'on a un très, très beau rôle à jouer dans la lutte. La lutte, elle peut être magnifique. Hein? C'est un terrain fertile pour toute chose. Puis je pense que tous les métiers sont utiles, toutes les personnalités sont utiles. Puis les artistes, on a cette chance-là de pouvoir peut-être amorcer un dialogue, hein, qui n'est peut-être pas sur la confrontation. C'est facile en politique, là, de se sentir attaqué, démoli. Mais via l'art, on peut éblouir, on peut faire pleurer. Je t'avais demandé, Gabriel, de préparer un extrait qui t'inspire, auquel tu retournes pour te donner du courage, justement. Les poétesses autochtones me donnent beaucoup de courage. Joséphine Bacon, entre autres, en grande partie, en fait. C'est la première poète autochtone que j'ai lue. Puis je revisite toujours ce petit livre-là parce qu'il est plein de perles de sagesse. Je vais lire deux courts poèmes. Je rêve au lac de ma terre, aux étoiles qui s'y mirent. Tout est calme dans la toundra. Le silence est vrai. Les bulldozers ne crachent plus leur fiel. Je suis seule avec ma prière. Je cherche l'étoile du caribou, mon guide. Ma prière ressemble à un acte de contrition. Je demande pardon au maître des animaux. J'ai omis de me lever quand on saccageait ton corps. On salissait tes veines. Face à ta colère, nous sommes seuls.